maison des Capulet. Essuyez-vous les pieds et mettez les patins. La maison Capulet, fondée par Capulet, transmise au fil des siècles de Capulet en Capulet. Pour être franc, c'est du solide. Elle ne manque pas non plus de liquide. On sait faire la bombe et faire couler le résiné. Et par les jeux des rires et des éclats de voix, montrer son unité, sa fortune et sa foi. La maison a deux tours et cent autres atours. Facile à reconnaître, c'est la plus belle avec un parc autour. Poupée n'est pas ici dans la maison des Montaigu. Essuyez-vous les pieds et mettez les patins. La maison Montaigu fondée par Montaigu, transmise au fil des siècles de Montaigu en Montaigu. Pour être franc, c'est du solide. Elle ne manque pas non plus de liquide. On sait faire un lavon, faire couler le résiné. Des barres, des jeux, des rires et des éclats de foi. Montrer son unité, sa fortune et sa foi. La maison a deux tours et cent autres atours. Facile à reconnaître, c'est la plus belle avec. Parc autour. Vous êtes autorisé à vous rendre chez Miss Frau. Hélas, Kisena, vous êtes autorisé à vous rendre chez Miss Frau et que tout le monde fasse. Miss Frau. Et qu'on le chuchote comme ça, Miss Frau. Alors, c'est des choses. Et puis, encore une fois, il y a ce que je vous dis. Il y a la manière personnelle que vous allez avoir de la transcrire et ensuite de la transmettre. D'accord. Il n'y a pas une manière de faire. Hein. En fait, il faudra que vous repériez ceux qui sont pas maquillés. Ceux qui sont tout seuls. Ceux qui sont pas. Bah, tu le sauras pas. Yes. C'est pas grave. Alors, en gros, tu repères quelqu'un du public que tu connais pas forcément, ou on s'en fout, quelqu'un qui joue pas dans la pièce, et tu vas lui dire vous êtes seul. Et puis, ok, tu vas en repérer un autre, et tu vas dire et vous êtes seul. Ah, formez un couple. Comment ça, vous voulez pas former un couple? Tu vois, c'est à ces gens-là. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Si vous êtes seul, formez un couple. Un couple peut en aider un autre, hein, c'est tout. Ou une personne seule. Les préliminaires, c'est ce que je te disais, c'est les petits bisous, tout ça qu'on se fait avant de faire l'amour. Avant de faire l'amour, on fait pas l'amour comme ça directement. On s'appelle. Mais pas trop. Alors mais pas trop, ils sont morts de rire. Mais pas trop. Voilà, on reprend pour que tu puisses dire aussi mais pas trop. On reprend à vous les filles. On ne lit pas, on est libre. Mais pas trop. Mais pas trop.
des boniments. Mais l'amour sans le cul, c'est que des boniments. Le cercle des amoureux anonymes inspirés, traversés, sublimés par l'expérience vécue du baron Peach. Reprenez Peach. Peach, dont la parole. Vous, les colocataires de la copulation. Colocation. Colocation. C'est pas grave, chouchou, c'est l'émotion. Blonde. Eh ben là, c'est pas la même note, si. Ouais, non, c'est. Et je suis brune. J'ai du rond, devinez où. J'ai le soleil. C'est une caméra. Ok. On reprend. Les oreilles comme ça. Vous allez reproduire le bruit que je vais faire tous ensemble. Alors tous ensemble, c'est tous ensemble. C'est pas. Mais c'est pour mettre en évidence à la fois la relation dans le regard et à la fois la distance. C'est-à-dire que si je m'arrête là. Je suis un peu trop loin, j'ai un compte, si je fais ça, ça se fait, enfin, personne ne fait ça. Ouais, c'est-à-dire que si je suis là, tout de suite, ça veut dire autre chose, quoi. Si je me mets là, c'est autre chose, je rentre dans son intérieur, j'ai envie de lui dire un truc pour que vous entendiez pas, quoi, forcément. Si je suis là, il me fait un peu peur, quand même. Enfin, il y a une interprétation dans ce goût-là. Il y a une bonne distance, à peu près juste, quoi, où on est à peu près, d'accord. Essayez de. Ok, attention, arrêtez-vous bien d'abord. C'est-à-dire que, sinon, petit à petit, on a tendance à faire ça. Ouais, c'est ce que j'ai dit la deuxième. D'accord ? Après, il n'y a plus de relation, il n'y a plus l'arrêt. Il y a vraiment, d'abord, je prends le temps, tu vois, il y a un temps avant. Ne soyez pas, n'anticipez pas non plus, c'est-à-dire que si Alex il vient me voir comme ça. Ah oui, il va me serrer la main, bah oui, je le sais, c'est le jeu. Mais si j'anticipe ça marche plus. Il faut attendre que c'est lui qui propose. Vous avez vu, la main, elle était déjà là avant de s'arrêter. Donc là, c'est petit fanfaron. Donc on cherche à faire une petite chorégraphie tout de suite. J'ai rien demandé, moi, hein. C'est marcher, simplement. Maintenant, il y a aussi la notion de contrepoids qui est intéressante en duo parce que justement, elle va créer une tension dramatique. Si on fait ça, quoi, comme ça. Voilà, il y a un enjeu, il y a un investissement du corps par les jambes, et là, ça, cette tension-là, elle est réelle, elle est existante. Par exemple, donc là, moi, j'ai l'intention comme ça, et en même temps, il y a lui qui me tire dans l'autre sens, et lui, il me tire aussi, et du coup, bah voilà. Alors, tu vois, c'est là où il faut être. Ah, c'est une laquelle. Non, tu peux dire, c'est bien, mais c'est juste pas m'éclater le bras. Faut qu'il y ait un contact entre les deux. Par l'épaule, par n'importe quoi. Par ce qu'on veut, ça pourrait être par la tête. Ah, premier temps, qu'est-ce que ça... Ça, c'est bien, tout ouvert. Et toi, tu vas y aller au tableau. Attention, vous êtes en train de vous marrer trop. Évidemment, si je veux pas y aller, ça va. Et puis en plus, ça glisse un peu. Bon, bah, ça se trouve, il peut me pousser en glissant. Pouf ! Comment je peux ? Et toi, faut que tu continues à. Voilà, c'est bien, c'est ça. Ok, bien. Arrête de pédaler dans la choucroute, là, parce qu'on peut trouver des vrais appuis. Voilà, c'est tranquille aussi, tu vas voir, c'est super. Il est super sympa. Il a un appareil photo, tout génial. Voilà, toi aussi, vous marrez pas, c'est pas drôle, on dirait. Effectivement, quelque chose qui se rapproche au début, et finalement une séparation liée aux autres, et ça doit être investi corporellement, d'accord. C'est bien, mais vous vous marrez trop, j'y crois pas une seconde. Là, il faut décider.
c'est une fin? Est-ce qu'ils y arrivent ou est-ce que on les en empêche? Ok, bien. Déjà, on va essayer d'adopter une position, ce que nous on appelle une position neutre. Donc c'est-à-dire les jambes, les pieds parallèles et les bras le long du corps. Ça c'est une position neutre. Ouais. Donc ça n'exprime rien, ça raconte pas grand chose. Quand je tape dans les mains, vous imaginez qu'il y a un tremblement de terre terrible et vous devez vous cacher quelque part. T'es pas cassé là. Mais cache-toi. Cache-toi. On se met tous au sol. Ok, ça marche. Quand je tape dans les mains, mais allez-y, marchez. Vous êtes, tout se passe bien pour l'instant. Allez, c'est parti. Ouais, normal. Quand je tape dans les mains, vous tombez amoureux. Mais vous tombez pas amoureux de quelqu'un qui est dans la pièce. Hein. Vous tombez amoureux, je peux voir dans votre regard que d'un coup vous êtes devenu amoureux. Au théâtre, on essaye d'ouvrir grand les yeux et de savoir où on pose son regard, c'est très important. L'idée d'être vu et l'idée de montrer quelque chose, forcément. Ce regard, je veux juste vous dire aussi qu'il a forcément une implication dans le corps. On va chercher avec le regard, allez chercher derrière votre épaule au maximum. On dit dramatique. Tout ce qui a une dramaturgie, c'est-à-dire qui raconte une histoire, qui va mettre en scène quelque chose, une intrigue, quelque chose d'intrigant, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui va se passer. D'accord ? Donc la tension dramatique, ça va être, en tout cas en ce qui nous concerne, le suspense en fait. Cette fois, vous allez dire je t'aime moi aussi, comme si ça faisait 50 ans que vous étiez ensemble. Je t'aime. Et ce que je vous propose, c'est de faire quatre versions de je t'aime moi aussi, en étant côte à côte comme ça sur les chaises. Une version comme si c'était la première fois que vous le disiez. Vraiment. Et voilà, c'est la première fois, les citations peut-être, voilà. Une version genre, voilà, le couple un petit peu installé, je t'aime, moi aussi, tendre, tout ça, mais c'est un peu acquis, quoi. Non. Une version un peu indifférente, quoi. Je t'aime, moi aussi. Après, chacun a son interprétation. Et une version agacée, genre, bah, enfin, vous mentez, quoi. C'est parce qu'on est ensemble et que, oui, je t'aime, oui, moi aussi. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Ouais. Ouais, je t'aime. Ouais. Mais aussi. Tu m'aimes bien, mais je t'aime quand même. Ouais, je t'aime aussi. Donc ça, c'est ça. Je t'aime. Ouais, moi aussi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alors là, c'est un autre. Essaye vraiment de. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ok, merci les gars. Pas comme si on présentait un spectacle, là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment l'idée de donner un petit peu la couleur de ce qui a été travaillé pendant la matinée et puis un petit peu en début d'après-midi. On a eu quatre manières différentes d'aborder un même thème, à savoir le couple. Et soit c'était de manière technique, une technique différente, soit c'était un thème différent, voilà. Il va y avoir plusieurs choses. L'idée, c'est après de pouvoir en discuter, d'échanger vraiment, poser des questions sur ce qu'on a vu et puis peut-être même sur le théâtre en général.
Je t'aime. Ouais, dis-moi. Non. Si, non mais si, vas-y. Non. Si, si, si. Non. Non mais si. Non. Allez. Je t'aime. Mais vraiment. Je te déteste. Ouais, je vois, mais j'ai vraiment un truc à te dire. Là. Oh, t'as la braguette ouverte. Je t'aime. Je te déteste. Ah, moi aussi. Non mais j'ai un truc différent. Non mais tu m'expliqueras tout à l'heure. Et donc aussi tu as allé au restaurant, c'était super. Mais non mais j'ai vraiment un truc à dire, c'est important, avec moi. Bon mais vas-y, dis-moi. Ma mère est morte. Putain, je t'aime. Ouais mais c'est bon, moi aussi. Mon défaut, j'ai pas que ça à faire là. Je t'aime. Moi aussi. Tu m'écoutes ? Tu m'ignores là. Chérie ? Oui. Je t'aime. Ouais, moi aussi. Je te trompe. Mais j'en ai marre de vivre dans ce trou paumé avec toi. Donc, soit tu. Faut que tu trouves un moyen pour qu'on bouge de là. Voilà. Tu m'écoutes ? Tu m'écoutes, ce que je te dis ? Attends. Putain, j'ai perdu. Tu m'écoutes quand même. Des choses, mais vous en êtes rendu compte, c'est vous qui créez, qui proposez des choses, ou pas, ça vient de vous aussi, tout ça. Donc. Vous avez pris goût un peu vous avez pu découvrir un peu ce que c'était une scène, pour ceux qui n'en avaient jamais fait, ou c'est des choses que vous connaissez déjà ou... Ouais, c'était cool. C'était cool. C'était ouais. Un moment agréable pour toi? Ouais. Tu t'es pas dit, oh, c'est la torture de jouer devant... Oh, j'ai pris mon pied. Ouais. Qu'est-ce qui gole, qu'est-ce qui mouille, qu'est-ce qui pousse.
le chantal à la liste. Qu'est-ce qu'on boit? Voilà, on peut le parler. En chair et en os, qu'il s'est pointé. Et en bas. Costard, cravate, c'était lui. Lui qu'on voit jamais, on l'a vu. On l'a vu. On l'a vu, qu'il nous disait. Il nous a d'abord rassemblés. Fouille encore. Fouille encore. Fouille encore. Là, les clés. C'est qu'on est con, surtout vous. Ça m'a fait monter la pression d'huile. Sacrée pression. La vie, tout ce que je peux manger. Comment ça peut jouer? Rencontrer quelqu'un, une femme. Ben oui. Évidemment, c'est très inattendu pour moi, tout ça. Très compliqué, évidemment. T'imagines bien, étant donné ma situation, j'ai des sentiments, j'ai vraiment des sentiments pour elle. Je lui ai dit que je ne voulais plus vivre avec lui, puisqu'il n'y avait pas d'amour entre nous. Il a très bien compris. Mais ça n'existe pas, l'amour à nous. Merde, c'est des inventions, c'est dans la tête, c'est comme un délire. L'amour, c'est une sorte de maladie. C'est pas beau, l'amour. Faut arrêter avec ces conneries. Tu as rencontré quelqu'un? Pas du tout. Et tu me quittes? Oui. C'est formidable. Il est déjà 2h, ça y est, je crois. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Je vais avoir une tête affreuse, non, en vrai. Tu es vraiment folle. Rends-le-moi, s'il te plaît, allez, vas-y. Rends-moi cette part de moi que tu as gardée en toi. Je ne peux pas. Tu as quelque chose en toi, à moi. C'est à moi, rends-le-moi. Tu es folle. Est-ce que je peux m'en aller? Oui, vas-y. Pas de faire un grand spectacle tous ensemble. C'est pas... Moi, pour moi, l'idée, c'est vraiment à un moment donné, sur quelques séances, de partager quoi. Qu'on se voit, qu'on partage, qu'on puisse voir ce que les autres font. L'idée, c'est que le jour J, donc le 22 mai, ouais, chacun puisse présenter la petite forme qu'il a créée. Que de libérer le roi de la reine le temps de la représentation. Après, donc, il y a un autre intermède, un deuxième intermède, c'est le grand Argenti. En chaque lieu soumis à la taxe sur l'activité. Le conseil collecteur est autorisé à majorer à l'avantage de sa collectivité d'origine. Quand ils ont tiré leur révérence, leur musique nous poursuit. Allez, mais parlez pour les virer. Le texte, le texte, le texte. Quand ils passent, il en reste la foule. Non, la non, foule. Non, 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 mais non, quand ils passent, la foule et tout ça, la foule, la foule et les coups de jouk. Quand ils passent, il en reste la foule. Qu'est-ce qui pète? 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 Qu'est-ce qui pète?
n'était pas une simple autorisation. Ça sonnait comme un ordre. Ouais, on a intérêt à gicler. Ça va gicler, je te le dis. Ah, c'est jacté. Qui a les clés? Les clés du camion. Tellement on était content, on n'a pas fait attention. Ah non. Fouille au corps. Fouille au corps. Chacun se fouille d'abord. Fouille au corps. Fouille au corps. Pardon, fouille au corps. Croisé. On se croirait chez Miss France. C'est ma spécialité. Je fais tout à la main. Et je me fais aider. Les filles, allez vous préparer. Les filles, tenez-vous prêtes. C'est pas les bonnes. On a qu'à pousser le camion jusqu'au bordel. C'est pas le bon camion. On a les clés, on a le camion. On a l'autorisation. C'est pas possible. L'idée de lui faire bouffer les clés est venue spontanément. Faites-lui bouffer les clés. On lui fait bouffer les clés, son bulletin de naissance en même temps. Bouffe les clés. Et maintenant le bulletin de naissance. Allez, faut tout finir. Et tout finir. Les filles, allez vous rhabiller. Il était une fois. Dis pas comme ça, comme oui. D'accord, attends. Il était une fois. Prends-moi des nœuds. Il était une fois. Il était une fois. Une maîtresse qui s'appelait. Mademoiselle Pic. Je m'appelle Mademoiselle Pic. Et j'appelle Mademoiselle Pic. Vous allez tourner tous dans. Voilà, en suivant les loups. Suivez les loups. Il faut monter les cordes, faut que tu tournes ta corde. Voilà. Redescendez, redescendez. Ouais. Là, faut me donner le bout de corde dans la main. C'est qui je rêve ou quoi? Ouais, c'est qui je rêve ou quoi? Et qu'est-ce que vous faites dans ma cabane? Qu'est-ce que vous faites dans ma cabane? Ouais, Maxime, il connaît ton texte, il pourra te le souffler. Ok, on réessaye ça? Il se réveille, Gulli. Mais qui sait, je rêve ou quoi? Qui sait? Je rêve ou quoi? Qu'est-ce que vous faites dans la cabane? Vous êtes juste tenir, voilà, que ça soit tendu. Là, tu vois, tu peux. Voilà, super. Comme ça. Parce que sinon, vous allez vraiment lui faire mal à la tête. Tu vois, comme ça. Comme ça. Ouais. Voilà un petit peu, c'est super pour ça. Il faudra aussi transformer Mademoiselle Pic. Lui prendre son parapluie, et puis il va vous sortir. On lui mettra un tulle, un serre-tête, et on l'amènera à côté de Guld. Et là, qu'est-ce qui se passe si elle a un tulle blanc sur la tête et qu'on l'amène à côté de Guld avec son chapeau et sa veste noire? Elle se marie. Ouais, la bébé, il faut te laver, bébé. Et vous allez pouvoir saluer. C'est fini. Ok. Et ça se terminera comme ça. Céline, okay. Voilà. Céline. Super. Ah, il me faudra être devant ma fille. Mais non, mais qui c'est qui avait pris la dernière fois? T'as qu'à dire ou deux femmes. Parce que Léa... Ou deux femmes. Voilà, Juliette va le dire. Mais c'est sûr. Si, ils vont entendre parce que vous allez parler fort. Je vais être en fin. De toute façon, Hélène, est-ce qu'on va faire... Hélène. Et les chaises, on les met là, regarde. Mais, c'est quoi? Les chaises, du fond, elles sont là. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. On va très bien. Ah, mais voilà. Il y a Léa, c'est qui prenait le texte là, il y a des choses. On l'avait supprimé, non, ce texte? Non, il y avait pas quelqu'un d'autre qui le disait à sa place. Temps, là, tu coupes la musique, donc tout le monde est. Vous êtes tous comme des. Voilà. Et là, à ce moment-là, il y en a un ou une qui amène un micro au milieu de la scène. Il va falloir une bonne séance de maquillage. Hein. Bon, maintenant, on se raconte l'histoire, un peu comme hier. Mais sauf que là, on le fait in situ, d'accord? Donc les gens, ils vont rentrer...
Vous m'entendez mieux là? Entends? Entends? Donc en fait, les gens vont rentrer par là-bas et on va les inviter à se mettre ici, comme vous êtes. Et vous serez avec eux d'ailleurs. Ok? Et ici, il y aura un grand tapis blanc pour le duo de Fabien et de David. Mais enfin, mon roi, qu'est-ce qui vous prend à vous, monsieur le Premier ministre? Mettez une serviette, mettez votre peignoir, vous faites n'importe quoi, monsieur le Premier ministre. C'est n'importe quoi, monsieur le Premier ministre. C'est vraiment n'importe quoi. Allez, nous allons bientôt pouvoir commencer. Nous allons commencer. Bientôt. Ouais. Passons aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses. Vous allez voir du vrai théâtre. Du vrai théâtre. Je vous en prie, suivez-nous. Suivez-nous. Madame la reine, auriez-vous une question pour... une réponse, je veux dire. En fait... C'est peut-être le roi et la reine. Voilà. Vous l'avez vu, c'est pas mal, ça. Hein. Essayez d'être sur le bois, Julie. Il faudrait que tu sois juste un pas de plus pour être sur le bois. Voilà. OK. Là, la reine se lève debout sur la tour. Bravo. 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 Ça, c'est du théâtre. Le roi passe. Le roi passe. Se trouve, mon roi et ma reine, que nous avons préparé aussi un petit spectacle. Très bien, arrêtez de failloter et allez vous mettre en place, hein. Dès qu'ils montent sur scène, ouais, tac, on envoie la musique, ils dégagent. Vas-y, dis. Super, on fait juste le début parce que tu nous fais début, et après, donc la fin, la toute fin. La fin, c'est. Salut. Voilà, donc il en manque deux. Il était une fois. Une maîtresse qui s'appelait Mademoiselle Pic. Isabelle Pic. Mademoiselle Pic détestait qu'on l'appelle Mademoiselle Pic. Ce soir-là, il venait de rentrer chez lui, dans sa cabane de rondin. La journée, il travaillait beaucoup. Il coupait de vieux arbres, il en replantait des jeunes. Il parlait aux oiseaux et aux écureuils, il était un peu fou. C'est qui ? Un loup ! Un loup ! Mais non, c'est un âne. On a qu'à le ligoter. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites dans ma cabane? De boire. Mademoiselle Pic ne piquait pas. Ils vécurent heureux et furent bientôt trois.
c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge, elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les vanillons qui filent sur le tendon, ses ongles m'accrochent, tu viens chérie, le lit qui craque et les volets claquent, sale dans le La reine passe.
délicate que l'ancien vous donnait des escarres. Oh, occupez-vous des vôtres, vous, hein. Ah, c'est bien. Ce siège, monsieur grand chambellan. Et... portez-vous déjà la chouquette? Non, sire. Non? Voilà. Monsieur le Premier ministre, veuillez inscrire ce gardien du royaume et de son autorité à l'ordre des guérites, au titre de grand officier, avec palme. C'est trop, sire. Ben non, les décorations n'honorent que ceux qui les accordent. Et quel est l'objet du rassemblement de mes sujets? Le théâtre, sire. Le théâtre. Le théâtre. Le théâtre. Le théâtre. Je veux jouer aussi. Qu'on me donne un rôle. Où cela se passe-t-il? Vous, vous avez déjà essayé. Et vous, grand argentier, vous êtes très théâtral, vous venez avec moi. Et pas de discussion. Allez. Caprice de femme. Caprice de reine. Allez. Allez voir du théâtre. Allez, venez, théâtre. Premier ministre, venez par ici. Je crois que nous allons aller au théâtre, hein, finalement. Vous pouvez me mener. Pas l'amour à lui. Merde! C'est des inventions qui prennent la tête! C'est comme un délire!
C'est pas beau l'amour pour un vitex, c'est comme lui. L'amour, ça fait faire plein de choses totalement insensées, dangereuses. C'est ce que j'imagine en fait. Je sais, c'est con, mais... C'est qu'après qu'on se soit retrouvé et qu'il ait changé... L'amour ne suffit pas. Comment ? L'amour, ça ne suffit pas. Répète, s'il te plaît. On s'aime, mais ça ne suffit pas. On s'aime, mais ça ne suffit pas. Oui. T'as rencontré quelqu'un ? Pas du tout. Et tu me quittes ? Oui. Mon mari est quelqu'un de très bien. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Mais il n'y a pas d'amour entre nous. Il n'y en a jamais eu. Excusez ma question, mais avez-vous rencontré quelqu'un d'autre ? Oh, quand même, enfin, vous n'allez pas dire que vous aimez ça. Personne ici ne semble appliquer le décret que j'ai pris, interdiction généralisée à tout le peuple de s'embrasser en public. J'ai interdit la pratique des baisers. Bon, alors, tous les comédiens, là, tout ça, là, là, tout ce qui est... tout ça, tout le monde veut. Allez, la reine avec, traîtresse. Ah, reine avec, restez là, hein, j'ai des choses importantes à vous dire. Premier ministre, que dit exactement ce décret d'interdiction ? Ah, vous fermez cette porte là, on n'arrête pas de... je ne sais pas ce qu'il faut. Il interdit à vos sujets mâles et femelles de s'embrasser dans des lieux publics et leur donne l'obligation d'entrer dans les prémices de la copulation quand des lieux privés à l'abri des regards. Voilà. Cela ne prête pas le flanc à la critique, Sire, si vous permettez, je pense que nous avons un léger problème dehors. Qu'est-ce qui se passe ? Une sorte de... d'agroupement, de... population. Vous êtes belle, ma biche. Oui. J'adore les baisers. Je suis brune, j'ai du monde, devinez-vous. J'ai le soleil dans la lune, mes yeux sont mauves pour vous. Je suis couleur de désir, œil noir, bouton de rose. Maison rouge de plaisir, ma porte n'est jamais close. Et ma
tenez-vous prête. C'est pas les bonnes. On a qu'à pousser le camion jusqu'au bordel. C'est pas le bon camion.